Salut à tous, bienvenue sur la chaîne L'Équipe pour des courses de caisses à savon volantes. Ça va mon Yohan, en forme? Florian, très heureux d'être avec toi Florian, d'être avec vous tous et on va encore se régaler. Oui, on est en Autriche à Vienne avec des courses de caisses à savon volantes. Alors donc évidemment ça va voler, le principe, ce tremplin et puis une machine diabolique pour aller le plus loin possible. Alors là, pas trop, mais normalement ça devrait s'envoler plus loin. On est sur des machines qui sont conçues bah, évidemment par des bandes de foutraques, des amis, des copains qui y passent des heures pour s'amuser et pour nous faire rigoler. Je peux vous dire qu'aujourd'hui on va bien se marrer. Et regardez la foule incroyable là, dingue, sur les rives, un truc de dingue, un monde fou ici à Vienne et on va encore s'amuser. Et là j'ai l'impression que, regardez, il y a donc deux parties et là il y a, voilà, les deux parties se sont un petit peu encastrées, se sont et mal libérées. Bah, y a, là, c'est comme une fusée, il y a la partie roulante pour lancer la chose, on pousse et puis après ça se détache et ça doit planer. Bon, là ça n'a pas vraiment plané, ça s'est plutôt planté. Et ça va aller plus loin évidemment, tout à l'heure vous verrez. On dirait une assiette qui tombe dans un lave-vaisselle. Voilà. Regardez, il a eu même un petit peu peur, il a quand même fait une chute libre de 5-6 mètres, mais ça va, pas de blessé évidemment, il n'y a quasiment jamais de blessé dans cette compétition. Oh, mais on tombe dans l'eau quand même, mais on tombe quand même de 10 mètres de haut, hein, 10-15 mètres de haut, donc ça fait un bon saut. Là c'est une banane oh, avec des petits cœurs en forme de banane ou de poire. Et alors là on a la famille Banane avec Monsieur Banane, Madame Banane, Banano, le bébé, hein, le bébé Banano bien sûr, et il l'amène, ils vont quand même pas le mettre à l'eau j'espère. Allez, mettez la banane dans l'eau. C'est pas un bébé nageur. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Jeter le bain et l'eau du bain. Hein. Jeter le bébé et l'eau du bain. Et là, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Un singe également qui. Ah, attention! Il a enlevé la banane. Ah là là, kidnapping, alerte, enlèvement. Quel vol à l'étalage. Et là, ça va partir. Regardez-moi cette fusée. Alors, Florian. C'est une banane volante. Est-ce que vous y croyez là? Moi, j'y crois. Je pense que ce singe peut aller loin. On a quand même déjà deux ailes. Vous verrez, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des gens qui pensent encore en 2021 qu'on peut voler sans ailes. C'était pas possible. Et là, on pense évidemment tout de suite extraordinaire à Carogori oui, avec Georges Brassens. Ouais. L'immense Georges Brassens, évidemment. Une chanson mythique, une chanson importante. Relisez les paroles d'ailleurs, ça sera absolument incroyable. Moi, et la foule. Plutôt sur King Kong ou sur Donkey Kong un petit peu. Le jeu. Allez, c'est on parti. La banane géante. Allez. Oui, oh ah non. Et eh ben, j'ai l'impression que ça partait bien et puis il s'est un petit peu soulevé, prise à l'air et c'est reparti. Il est comme s'il avait été marche arrière. Regardez, Yann, c'était pas mal, l'idée était bonne et malheureusement il s'est allé en arrière au lieu d'être poussé par le courant du vent. Alors vous verrez sur le, je pense que c'est le Danube, en tout cas un des canaux du Danube puisqu'on est à Vienne. Vous verrez sur l'eau il y a des petits plots blancs qui indiquent c'est des références de distance. Voilà, ça, il y a un plot grosso modo tous les 5-10 mètres. Voilà. Allez maintenant. On espère peut-être un équipage qui va à plus de 10 mètres. Alors et là, pourquoi pas. Et là, c'est pas mal. C'est un biplan intéressant et avec dans la construction. Dans la construction, Florian, c'est pas mal du tout agencé. Oui, on rappelle que, évidemment, chacun a le choix totalement de construire ce qu'il veut. Il y a quand même. Ça ne doit pas faire plus de 10 mètres de long et pas plus de 150 kilos. Sachant qu'évidemment, plus c'est lourd, bah, plus ça a de chance de. Et l'importance, c'est de ne pas avoir de moteur, évidemment. Il ne faut pas tricher. Non, c'est une poussée comme sur les caisses à savon qu'on vous connaît. Et là, j'y crois. Et que vous adorez. Je pense qu'il peut aller à l'autre bout de Vienne. Je pense qu'il peut faire 50 mètres. Pourquoi pas. Regardez la motivation. Alors l'autre bout de Vienne, c'est ambitieux. Bah déjà s'il arrive à passer 2 ou 3 plots, déjà on sera content. On va voir en tout cas. Ça va partir, attention. Le suspense est total. La poussée hein, sur une dizaine de mètres. Allez, le public qui retient son souffle. Allez, c'est parti. Le vent est favorable. Non, c'est décevant. J'ai retourné. Mais quel échec. Aïe. Une erreur de fabrication, une erreur de construction. Ils ont pas bien fait les calculs. C'est un tête à queue d'avion. Voilà, et il s'est retrouvé complètement à l'envers sur le toit. Et là, demain, il va y avoir une réunion de crise, évidemment, entre les différents ingénieurs. Quel problème mathématique n'a pas été résolu? Eh oui, souvent, on a un problème d'équilibre. S'il suffit qu'il y ait trop de poids ou à l'avant ou à l'arrière et ça bascule. Et ben voilà, ça a basculé total. Pourtant, il y avait les bons ailerons. Il y avait. Ah là, problème mécanique peut-être. En tout cas, c'est un désastre. J'aurais pas aimé être trop à sa place, parce que là, il est parti tout droit. Oula, on a senti la petite frayeur. Là, j'ai l'impression quand même que, en termes de. Il y aura des quelques gouttes dans le dos, là, quand même. Ouais, cul par-dessus tête, malheureusement. Ah ouais. Mais en tout cas, bravo à ce concurrent qui est venu, à ce candidat qui est venu et qui a participé à cette grande fête des caisses à savon volant. Alors, on rappelle évidemment qu'il faut aller le plus loin possible, mais que aussi, il y a une petite note artistique, on va dire.
on prend en compte quand même la construction de la caisse à savon volante. Donc tous les efforts quand même sont récompensés. Et oui, et c'est important aussi évidemment de participer à la gaudriole, à ce carnaval, à cette kermesse. Alors là, on est avec des beaux. Là, c'est un beau déguisement. On est sur du pingouin. Bon, on peut dire ou du manchot, je ne sais pas. C'est je quoi la différence entre un pingouin et un alors manchot. Les pingouins, je crois que c'est en Antarctique et les manchots en Arctique. Ah, c'est pareil en fait, un pingouin et un manchot. Oui, voilà. Enfin, c'est pas complètement la même famille, mais il y en a un au pôle Nord et un au pôle Sud. Voilà. Ils se sont répartis les trucs hein, lors de la création de l'humanité. Les manchots sympas, on dit aux pingouins, vous prenez quoi? On prend le Nord, bah ok, on prend le Sud. Voilà. Magnifique. Et là, en tout cas, on est plein dans des becs à sable. Et on s'amuse. Et c'est la récréation. Regardez-moi cette demoiselle qui est heureuse dans son costume. Pour l'instant, elle est heureuse. Mais enfin, le but du jeu, c'est de ne pas finir le bec dans l'eau, hein, Johan. Parce que d'aller le plus loin possible. Attention, on est sur une caisse à savon volante. Alors là, on a les petits ballons. Voilà. Ah, c'est doux. C'est beau, c'est mignon. C'est de la livraison à domicile. Ils sont en train de livrer. Des beaux cadeaux. Ça s'est coincé dans le pylône. C'est dommage. Ah, la malédiction. Alors déjà, les caisses à savon volantes ne volent pas beaucoup. Alors si en plus les papiers cadeaux, les cadeaux n'arrivent pas, ouais. Alors là, il faut que ça change. Alors, quand même. Il y a un pingouin qui va partir aux commandes de cette machine étonnante. Alors, l'avant, je ne sais pas, on a une sorte de fourmi géante, c'est une tête de fourmi, non, un truc. J'ai l'impression que c'est mon neveu là, Clément, qui a fait le dessin en tout cas. Une petite araignée. Il y a des papates. Et là, regardez, il y a des manettes, hein, un petit frein, un petit. Et oui, il y a de la technologie, il y a de la technique. Ce sont des Formule 1 désert. Oui, oui. Ou des Formule 3, parce que parfois ça. Des karting même, on est karting. Des karting, ouais. Ou même des vélos, tout simplement. Et là, regardez-moi cet attelage. D'ailleurs, on a des roues de vélo, là. On a l'impression qu'on a quatre roues de vélo. On a l'impression que c'est un caddie, là. Attention. Allez, allez, bon courage, monsieur. Allez, on y croit. Allez, il faut que ça y aille. Non, mais là. Allez, on rembobine, on n'a pas vu. Allez, c'est important, parce que pour voir le meilleur, il faut voir du pire aussi. Et là, c'est le pire du pire. Ouais. Ils ont même pas fait 2 mètres. De... Déjà, on vous avait dit, hein, c'est pas possible, c'était pas un vélo là. C'était pas une Formule 1. Je sais pas ce que c'était. Alors, donc, du coup, bah, ils vont quand même pas le jeter à l'eau. Ah non, non. Ah non, ça, on refuse de diffuser ça. On va couper ça au montage là. Non, non, non. Ouais, allez. Au moins, mettez quelqu'un qui. Ah, il y va quand même. Hein. Bon, bah voilà. Il va faire un petit plongeon, il va faire plouf. Oh, allez, jusqu'au bout. Oh, le plat. Le plat horrible. Alors là, extraordinaire, tout ce qu'il ne faut pas faire, ça a été fait, mais voilà. C'est ça qui est bien aussi, voilà. On est là pour s'amuser. On leur avait dit, montrez-nous un contre-exemple au début du programme pour que les téléspectateurs et spectatrices de la chaîne L'Équipe comprennent exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce qu'il ne faut pas faire, bah, c'est déjà avoir un truc qui ne va pas droit parce que sinon on ne décolle pas. Ensuite, avoir des roues solides parce que s'il n'y a pas de roues, ça ne roule pas, donc on tombe à l'eau. Donc voilà, là on l'a vu, c'était le truc à ne pas faire, maintenant on va passer au truc à faire. Le show va commencer maintenant. Exactement. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est une fondue, non? On dirait un appareil à une raclette, une fondue. Esprit de montagne, esprit. Oh, on met un peu de chambon. Avec un poulet géant, regardez. Oh, et des patates, je veux des frites, je veux des pommes de terre, de la purée. Et des petits oignons aussi, hein. Émincés. Je veux que ça coule sur ma joue. Bonjour, mademoiselle, bonjour, madame. Des poulettes aussi, hein. Regardez-moi ça. Alors. Ah, il a l'air bien rôti le poulet. Hein. Est-ce que vous avez la tradition du dimanche après-midi, poulet frites? Bien avec sûr. La maman et tout, froid, poulet frites. Et la sieste de Jean-Michel Drucker. Ah, ça c'est très important. Et la musique de Rocky. Ouais. Parce qu'ils vont se battre. On a beau être une fondue, c'est pas une fondue savoyarde. T'as une poignée de boxe. J'ai pas mal. Johan, j'ai pas Ariane. Mal. Oh, Ariane. Ne me quitte pas. C'est Adrien ou c'est Adrienne? Adrienne. Et là c'est Adrivienne alors. Allez. Je sais pas où il va là. Et là c'est une poupée gonflable. Alors, les ailes et les cuisses sont en place. Et là, c'est le show. Regardez-moi ça, ce décor extraordinaire. Il y a de la fumée. Ouais. Il y a un sportif dans une poupée gonflable. Il y a de la motivation. Il y a de l'envie. Plein d'argent qui a été investi. Attention. Va-t-il le faire? Attention. Va-t-il le faire? En tout cas, d'y aller comme ça, c'est pas une poule mouillée, mais... Ouais. Ben, ça y est, il est... Ah, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On a atteint les 5 mètres. Il est heureux. Il est allé plus loin qu'il pensait. Il pensait faire 2 mètres. Il a fait 4 mètres. C'est pas mal du tout. Il est pareil, il a manqué quelque chose quand même. Ouais, par contre, au niveau du nez, là, j'ai vu un fruit de mer. Hein. Regardez-moi ça. Incroyable. Ouf, le plat, là. Une fondue, ouais. Alors là, regardez. Oh là 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 là. Le corps, le premier. Et pif, paf, pouf. Putain, il y avait quoi? Il y avait sa pétaradait. Ça partait pas mal. Il y avait des idées quand même. Ah oui. Alors, une autre caisse à savon volante avec des rockers. Et une machine, alors là aussi, vraiment tout est possible. Hein. C'est une sorte d'hélice, hein. Il y a une hélice, oui, c'est pas une sorte, c'est une hélice. Donc j'y crois. Et c'est des universitaires, voilà. Université des sciences appliquées. Donc normalement, bah, ils se sont appliqués et ils s'y connaissent en sciences. Donc là, normalement, on devrait aller très loin. Allez Florian, on les pousse. Là, c'est peut-être un
un devoir de diplôme. Hein. Et oui, on les encourage. Ce sont des travaux pratiques. C'est la théorie maintenant. Allez, ils se sont entraînés. Ils se sont entraînés pendant 6 mois en Autriche sur un étang, sur un lac. Alors, c'est un petit avion ramassé, par contre. Hein. C'est une sorte de caravelle, ouais. C'est une sorte un avion pour enfants, un peu. Nous sommes tous des grands enfants et regardez-moi cette foule extraordinaire. Allez, ça va être un spectacle de fou. Allez, c'est l'heure maintenant. Oh mon dieu, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait se manger. Oh là là, quel. Non, mais ils arrivent même pas à conduire droit. Déjà, ils arrivent pas à voler, évidemment. Mais en plus, ils arrivent même pas à conduire. C'est un truc à trois roues, il n'y a pas de volant. À un moment donné, il peut pas y avoir de miracle. Regarde, l'autre, il est debout. Là, regarde ça. Non, j'ai eu peur pour lui parce qu'il a frôlé le drame. Il aurait pu se faire en place trabat faumé là dans ces structures métalliques. On va déposer ce verbe à l'Académie française, en place trafaudé. Mais en tout cas, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est compliqué. La piste est compliquée. Ouais. C'est une compétition, on se croirait à Kitzbühel évidemment. Il y a des. Là, pourtant, il n'y a pas de virage ici, c'est en ligne droite. Ben non, c'est tout droit, mais. Là, c'est des cajots. Là. Ils sont allés en prise unique, là. Ils ont volé les cajots. Voilà, et voici des. C'est aérodynamique. Des militaires, voilà, des militaires de carrière. Voilà. Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est ça? Alors les cajots, c'est... On parlait pas du jeu. Hein, s'ils font plus de 2 mètres, là, démissionne. Ah, personne dedans. Ah si, il était à l'intérieur, il était planqué. Le mec, il assumait pas là-dedans. Ah, il y a du... Voilà, le feu d'artifice. Feu d'artifice, voilà. Bon, bah, c'est un pétard mouillé quand même. Là, c'est vraiment un pétard mouillé. C'est encore un projet tombé à l'eau. Mais franchement, on est d'accord, Florian. C'est que ça montre bien que ce sport est très très compliqué. Hein. C'est un petit peu comme la Formule 1. C'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de vitesse. Donc il faut une grande portance sur l'air. Et qu'est-ce qu'ils font là, les hommes qui étaient derrière un petit peu, essayer de le pousser. Mais ça, c'est un sport très très compliqué. C'est un des sports les plus durs au monde. J'ai l'impression évidemment. Qu'ils se sont très vite désunis de leurs potes. Hein. Débrouille-toi, allez, hein. C'est bon. En gros, il y a le judo, il y a le tir à l'arc et puis il y a la caisse à savon volante dans les sports les plus durs du monde. Voilà. Et on espère que Abeg Nenou, qu'on salue, qui a été extraordinaire évidemment pendant ces Jeux Olympiques, bah, peut-être regarde et peut-être qu'elle va monter un engin avec pourquoi pas Teddy Riner. Ce serait extraordinaire. Allez, un nouvel équipage. Avec un taxi volant, un taxi jaune, taxi un peu à la new-yorkaise. Ici, on dirait une banane, on dirait pas une banane effilée un petit peu là. Ah, écoutez, alors moi je l'ai vu de côté, c'était un taxi new-yorkais. Après, si vous voyez une banane, on peut voir ce qu'on veut, Yohan. Hein. Ça ressemble plutôt à un taxi new-yorkais. Mais c'est quand même étonnant, il faut que j'aille voir ma psy là. Pourquoi je pense que c'est une banane alors que c'est un taxi? La psy ou l'ophtalmo, ou les deux, à voir. Avec, ils ont mis leur petit nom dessus, Marc, Tank, Daniel et Torchstar. Allez, c'est important maintenant, normalement. Allez, à cheval sur le taxi. Donc on a taxi de l'espace, normalement il y a le bon code barre, ça doit aller loin. Allez, oui, on est avec toi, garçon. Allez. La foule est derrière eux. Il y a du monde, hein, il y a des milliers de personnes aujourd'hui. Florian, 10 mètres ou pas? Florian, 10 mètres ou pas? Allez! 10 mètres ou pas? Ou pas? Non. Et vous? Moi j'y crois. Vous y croyez? Mais moi j'y crois parce que je crois en la vie. Eh bien vous croyez en... Je crois en la créativité. Regarde-moi ça, il a pris son engin là, son manche. Il va s'envoler. Allez, c'est parti pour le taxi. Et taxi! Ouais. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas reçu le mode d'emploi. Non mais Florian, si demain on fait ça, on ira plus loin que. Non mais là c'est quand même le troisième équipage. Non mais il a accroché l'aile sur le côté. Non mais c'est fantastique. Et du coup c'est pas un taxi, c'est un VTC, un véhicule tout cassé. Ils étaient motivés, ils avaient la détermination il y a un moment donné, il n'y a pas les qualités requises. Très beau quand même, c'est le gars qui fait des moulinets avec ses bras comme si ça pouvait changer quelque chose. C'est très beau. Et là, eh ben, il termine à l'eau. C'est extra. Il était beau hein, celui-là. Non mais je suis surpris quand même qu'avant même de démarrer, avant même de s'envoler, on n'arrive même pas à faire un tout droit de 10 mètres. Ça montre bien que. Et pourtant ils travaillent, et pourtant ils ont pris des RTT, ils ont pris des vacances, ils ont pris des congés sabbatiques, ils ont pris des congés sans solde. Et pourtant, c'est très compliqué, ils n'arrivent pas à voir le bout de la lumière. C'est un peu compliqué ce début de compétition aujourd'hui à Vienne. Il y a eu beaucoup quand même de départs sur le côté, beaucoup d'échecs. Alors, on continue mon cher Johan avec voilà, la foule en délire à Vienne, on est là. Un œuf et un lapin à l'intérieur, c'est l'œuf de Pâques, voilà. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui? C'était un lapin qui? Ce matin. Chantal Goya. Qu'est-ce qu'on est karaoke? Jean-Jacques Debout. Mais là, c'est pas debout, il faut être allongé là maintenant. Ouais, voici.
En tout cas, il est beau, hein, la construction, ouais. C'est magnifique. Notre artistique, franchement, c'est un 9 sur 10. Parce que ça fait vraiment un petit peu, tu sais, ça fait un petit peu film de guerre, un film Seconde Guerre mondiale. Oui, le seul truc qui va pas là-dedans, c'est le lapin. Quoi, parce qu'on a l'impression de voir un avion des Expendables avec Stallone et Jason Statham. Et moi, ça m'a l'air. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris, un truc de pour retenir l'eau sur le toit, là. Ouais. C'est un peu, je crois que c'est le symbole des Expendables et ils ont mis un lapin. Allez, Pas mal, Florian. Alors, mais Florian, ils sont à 2m50, Florian. Oh. Ça doit aller, on doit avoir un peu d'exigence. Non, ça vole un peu. Finalement. Ah, non, quand même, là, je vous trouve dur. C'est vrai. J'étais pris par l'effet d'optique. Puisqu'évidemment, nous ne sommes pas à Vienne, nous sommes dans une cabine téléphonique pour comment vous commentez tout ça. Et on n'a pas très bien vu. Mais en tout cas, quel spectacle extraordinaire, en tout cas. Et là, ça c'est vraiment, t'as vu tous ces écrabouillés. Bah, c'est un lapin intéressant. Je vais lui demander qu'il nous envoie son CV. On peut l'engager à l'équipe. Les courses de caisse à savon volante à Vienne, ça continue, mon cher Johan, avec de nouveaux concurrents. Et là, on est sur une ambiance cornemuse. On est sur génial. J'adore l'Écosse. L'Écosse, l'Irlande. Quel bonheur, Florian, de vivre cette aventure de ces caisses à savon volante avec vous tous, cher public. On s'amuse. On est heureux de vivre ça. C'est une sacrée récréation. Il y a de la cornemuse, il y a de la chaussette, il y a du kilt. J'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose sous le kilt? C'est comme l'éternel qui est normalement, on ne met rien. Ah là là, ouais, mais en dessous, il n'y a rien, mais il y a l'organe quand même. Ah bah oui, quand même. Il y a la descente d'organes, quoi. Il y a de quoi faire. J'ai jamais compris vraiment le concept de cet instrument de la cornemuse. Et je me demande qui a pu inventer ce truc-là. C'est pour faire vibrer les émotions. Faire vibrer le corps intérieur. Je vais prendre une poche, je vais mettre trois tuyaux, je vais souffler dedans. Et c'est extraordinaire, Florian. Et là, j'y crois. Le représentant de l'Écosse, il s'entraînait pendant 3 ans et demi à Édimbourg. C'est fantastique. Il a mis beaucoup de travail. Il a construit un hangar pour construire son appareil. C'est un train. C'est une sorte de locomotive. Ouais. C'est une locomotive. C'est pas le locomotive Moscou, mais attention. Oh, je sens que ça va foirer, mais ça va être génial. Ça va pas très vite. Ça va foirer, regardez-moi ça, ça va foirer. C'était pas le rapide de Vienne, hein, ça allait à deux à l'heure. C'était pas le torpedo de Moscou, je peux vous dire. Et ça finit encore une fois dans l'eau. C'était l'Hélas Vérone, hein. Je peux vous dire que là, trois fois hélas. Mais la locomotive, elle a déraillé. Elle a déraillé avant même d'arriver dans l'eau. L'idée était osée. Ils ont tenté le coup. Très beau saut quand même. Ils ont tenté un 3-4-3, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, la cheminée a pris l'eau. Oh là là, elle est très bien cette caméra. Cette caméra, elle est franchement, on voit bien la difficulté du truc. Bah, on voit que c'est pas simple. Et on enchaîne avec un très joli biplan. Là, je pense par contre, ça m'a l'air pas mal. Et avec évidemment toujours la petite danse avant. On dirait un peu la danse de Rabbi Jacob, non? C'est vrai. Il manque 8 funesses, malheureusement. Mais Salomon. Oh là là, c'est juif. Salomon. Henri Guibet. Redonnez-nous ces acteurs-là, s'il vous plaît. Extraordinaire. Il y a quelques jours, on parlait de Pierre Tornade. Et là, c'est Henri Guibet. Oui. Fantastique. Michel Galabru. Faites-moi Michel Galabru. Je sais que vous êtes extraordinaire. Non, Galabru, j'y arrive pas. Vous savez pas faire Galabru. Pas terrible. Et là, regardez-moi ça. Il y a tout. Il y a des ailes. Il y a du plastique. Il y a pas de fumée sans feu. Il y a de la création. Styrène. Encore une fois, il faut faire pas trop lourd, hein, si on veut aller loin. Et là, regardez-moi. Il fait exploser son appareil. Il a peut-être eu un siège éjectable. Allez, mettez-nous le feu à ce plan d'eau. Il a pas l'air très rassurant. Allez, faites-nous rêver. Envolez-vous maintenant. Allez, envolez-vous. Meilleure performance mondiale de l'année. Il est heureux, il peut être heureux évidemment. Il n'avait pas l'air rassurant, mais finalement, c'est un avion qui est allé un peu plus loin que les autres. Il n'a pas eu peur, il a eu peur de rien. Et là, on a l'impression que c'est les dirigeants de la Red Bull qui sont là, même la pilote de Formule 1. Extraordinaire, le A11 est arrivé quasiment à bon port. Regardez, il part bien là. S'il avait été un tout petit peu plus léger, je pense qu'il pouvait continuer. Je crois qu'il y avait de. Il pouvait passer comme un hydravion là. Ouais. Un peu trop de poids avant, mais c'était vraiment pas mal du tout. Franchement, très très belle prestation. Ah, j'aimerais bien aller là-bas, j'adore ce plan d'eau. J'aimerais bien là-bas faire un petit barbecue tranquille là sur les bords du Danube. Mais le Danube c'est à Vienne. Ah, le Danube c'est à Vienne, oui. Bah oui, j'y suis allé il y a quelques années. Formidable. Et là, alors attention, une petite boisson énergisante, une petite bolée, une petite bolée de cidre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors là, on a l'impression que la femme est en train. C'est Aladdin, regardez. Ah. Ce rêve bleu, je n'y crois pas. Qu'est-ce que c'est beau. Le génie d'Aladdin. Une comédie musicale. Lui, de folie. Ah,
Allez, on chante, on danse. Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un génie qui a conçu cette machine volante? Oui, c'est ça. La question qu'on se pose, Johan. J'y crois. Regardez-moi ça. Alors ça paraît quand même bizarre. Oui, c'est vrai qu'à première vue, on dit c'est bon paramètre. Mais je crois que là. Oui, mais ils sont partis sur une option delta plane un peu, c'est pas bête. Et c'est là, pas bête. Là, ce bois, elle m'a pas l'air de très bonne qualité, ce bois, ça a été acheté. On s'en fout, ça ira à l'eau. Ce qui compte, c'est la partie supérieure. Vous savez. Mais déjà, il faut arriver au bout du tarmac, déjà, oui, Florian. Alors, ça, c'est le premier problème. Et là, c'est déjà, mais les roues, vraiment, oh, les roues un petit peu, c'est très peace and love. Oui, oui. Très années 70. Et là. Vous avez vu, en fait, ils sont avec une petite corde parce qu'ils tirent la corde et vous avez vu à l'avant de la caisse à savon. Cette corde est reliée, donc en fait, il y a un effet de poulie et de levier. Ouais. On tire pour l'amener très très vite. Ouais. Et bien, allez, oui, Florian. Allez, Jasmine. Oui, Florian. Oui, Florian. Ouais. Ex-aequo, j'ai l'impression que le candidat précédent, mais ça va de mieux en mieux en tout cas. Ils prennent la mesure de ce plan. Il y avait le génie, elle avait trois vœux. Le premier, c'était de décoller. Le deuxième, c'était de passer le premier plot. Et le troisième, c'était de pas se noyer. Et bien, les trois vœux ont été exécutés. Mais regardez-moi les pompiers d'intervenir quand même très très rapidement. Heureusement, il y a la sécurité. Et regardez déjà, c'est ce que je vous avais dit Florian, je me permets, hein, parce que j'avais bien vu que la tiraille était pas terrible, en tout cas ce qui permet d'être supporté. Ah, vous êtes ce petit dravion. C'est pourquoi? Parce qu'encore une fois on est parti de côté, vous avez vu? Ah ben voilà. Ça va de traviole là-bas. Ça va de traviole. Voilà, ça va de traviole. Mais j'aime beaucoup cette candidate parce qu'elle a osé, elle s'est lancée. Et c'est vrai qu'il y a un petit manque de vent ici à Vienne aujourd'hui. Oui, mais alors, bon. Quand on a fait l'Irlande, il y avait trop de vent. Et là, il n'y a pas assez de vent, mais il faut jouer avec les éléments. Ah, c'est comme les courants autour de France. Hein. Exactement. Qui pleuve. Oh, qui... c'est les Vikings. Ah. Le Drakkar. Le Drakkar. Le monsieur à droite, il a le même monde que moi, ça me rassure. Bonjour monsieur. J'espère que votre vidéo, elle sera très belle. Et là, c'est un formidable, formidable engin, oui. Formidable attirail. On va se régaler, Florian. Oui. Qu'est-ce que j'aime ça cette compétition. Ça m'a l'air quand même assez lourd, cette affaire. Bah, si déjà, il commence à ramer avant de partir. Ouais. Ah, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Il nous vaut la Clairefontaine. Allez, le Danemark. Allez, le Drakkar. Allez, le Scandinave. Ah 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 le seul Drakkar qui n'avance pas. Oh, c'est Drakkar catastrophique, cette affaire. J'ai pas compris, en fait. Mieux vaut Drakkar que jamais, mais parfois, ouais. vaut mieux jamais que Drakkar. Non, mais là, ils ont pensé quand même voler, il n'y a pas d'aile. Non, il n'y a pas d'aile, bah, encore une fois, problème de conception. Alors après, regardez quand même ce qui est bien, c'est globalement. C'est-à-dire qu'il aime le monsieur tout seul avec son plongeon, est allé plus loin que des avions. Bah, c'est vrai qu'il est arrivé avant le Drakkar. Extraordinaire. C'est-à-dire que. Pour l'instant, on n'a pas tout, Florian. On n'a pas la combinaison parfaite pour l'instant. C'est-à-dire que lui est arrivé à 9h et le bateau à 9h Drakkar, à peu près. Très très beau. J'aurais voulu trouver ce jeu de mots. Zut! Zut! Magnifique! Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est la publicité. Ne tombez pas à l'eau. Ah oui, ils ont peur évidemment. Ils ont. Oh là là, bah, ils vont quand même voir la hauteur parce qu'on est, bien qu'à 15-20 mètres de hauteur. Donc faut se préparer quand même. Mais ce qui est beau, Florian, c'est pour ça que faites pas ça dans votre plan d'eau pas loin de chez vous parce que là, il y a de la sécurité, il y a des gendarmes des mers, il y a la police, il y a le FBI, il y a des pompiers. Il y a tout. Allez, il va monter. Ouh là là. Ouh, déjà arrivé au bout de la piste. Ouais, debout avec les pieds. Oh, mais ça part vite par contre, ça part vite. Ouais, ouais. C'est, ouais, c'est ouais, un avion en bouteille recyclée. Ouais. Oh, le cul de bouteille. Il a dû faire mal. Mais j'ai pas compris. Oui, en fait, il a décollé, il est retombé sur ton avion. Il est tombé, mais ça a dû faire mal les fesses. Oh, les fesses ont dû se faire piquer là. Ça, c'est un coup de fouet là. Tac. Ah oui, c'était un avion écolo entièrement en bouteille plastique recyclée. Et bien là, ils sont verts de rage, ces écolos là. Et lui aussi va devoir se recycler parce que je pense que sa carrière de pilote. Regardez-moi, c'était pas parti, on voit ça au ralenti. Et il a retombé Ça va, on arrive aux 5 mètres quand même, Johan, c'est pas mal. Mais il y a la prime à la légèreté quand même. C'est vrai. Et bien là, franchement, ceux qui ont construit cette compétition là, ils ont mis des bouées très très loin pour marquer 15 mètres, 20 mètres. Ils ont été présomptueux quand même. Ils pensent. Alors qu'il y a quand même les meilleurs candidats du monde, hein. On vous le dit, c'est un championnat du monde de caisse à savon flottante. Et pourtant, regardez la difficulté. Ah, j'adore. Ah oui, ce corps de rêve. J'aime ses hanches. Ouais. Ah, j'aime ses hanches. Ah, bah, c'est vrai que ce qui est bien, si jamais, comme on sait qu'il va tomber à l'eau, c'est que la boue est intégrée. J'aime ses formes. Ah, c'est généreux. C'est généreux. J'aime. Tu sais, c'est les Girondins, tu sais, les formes Girondes, comme pendant la Révolution française. Exactement. Les Jacobins contre les Girondins. Oui. Les Girondins de Bordeaux. Les tableaux de Bruegel, ces tableaux flamands. Oh, j'aime cette culture. C'est-à-dire que vous partez avec cette femme à Koh Lanta, si vous la mangez, vous avez un mois de nourriture. Ah là, c'est tranquille, là, Laurent Mestre. C'est un
un appel au cannibalisme. Ah, c'est beau. Et ce sont des. Avez-vous déjà mangé de l'humain? Mais comment ils ont dû faire ce. Vous savez ce que l'équipe de rugby là au Chili qui a vu cette terrible accident d'avion? Oui. Est-ce que c'est bon le, est-ce que c'est bon là? Écoutez, Johan, je veux bien essayer avec vous. Vous m'en coupez une petite tranche. Ouais, ah bah, j'aimerais vous bien. Me couper très fin par contre. J'ai encore 20 kilos à perdre. Si vous voulez, on va couper un petit trou tout à l'heure. Voilà, Laurent Haber, notre formidable chef d'édition, il a les couteaux déjà prêts à tirer. Oui, on va aiguiser tout ça. Allez, on va. Et là, regardez. Oh le haut était pas mal, mais le bas très mal. Non, mais là, conçu. Attendez, alors, ça n'a pas décollé. Et puis, ça, en plus, cette arrue au téléphone, là, franchement, là, ça sonnait occupé, là. Il n'y a eu personne au bout du fil. Allez, ouais. Personne au bout du fil. Mais là, c'était un navet, ce film. Ils ont oublié de se mettre en mode avion, donc du coup. Bah, ah là là, c'est le ramassage des poubelles. On est sur du recyclage. C'est comme dans ma rue à 4h du matin, ça m'empêche de dormir, mais c'est pas grave. Alors d'ailleurs, un petit message aux gens qui habitent dans mon immeuble. Les bouteilles de verre dans la poubelle en verre, on évite le matin, le dimanche matin à 8h. Il y a d'autres moments dans la journée où on peut le faire. Pourquoi à 8h du mat? Pourquoi ce besoin d'aller mettre les bouteilles à 8h du mat le dimanche matin? Parce qu'ils ont picolé le samedi soir et regardez-moi ça. Allez. Ouais, j'y crois. Tout est réuni. C'est la perfection. Ouais. Pas mal. La poubelle pour aller danser ce soir. Ça manquait un petit peu de vitesse. Avec un peu plus de vitesse, on allait plus loin. À chaque fois, il manque le petit détail pour avoir la perfection. Bah, oui, mais on n'est oui. pas loin du Brésil 70. On n'est pas loin de ces 5 numéros 10. On n'est pas loin de Pelé, de Gerson, de Rivolino, de Jairzinho. Mais pour l'instant, c'est plus Norvège que Brésil. Ah, oui. Regardez ça, le ralenti, la partie supérieure. Allez, il pique un peu trop de poids à l'avant. Il y avait l'hélice pourtant, regardez-moi cette hélice géante. Ah, mais elle n'a pas tourné l'hélice, c'est le problème. Là, ouais, il y a un problème technique. Hein. Mais vous avez vu, il faut vraiment une vraie minutie de la conception. Ouais. Johan, j'y crois à celui-là. Vous savez pourquoi? Dites-moi. C'est très léger. C'est très très léger. C'est vrai. Et la légèreté, 42 c'est la garantie d'aller le plus loin possible. On a appelé les organisateurs, 42 kilos. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais 42 kilos cet attelage. Et là, regardez-moi, il y a plusieurs parties. Le mec a taillé son cigare. Ah, il a pris le cigare, j'ai l'impression. Mais... Il s'y croit un peu. Attention, pas d'arrogance. Cigare Montparnasse ou cigare de l'Est? Attention, pas, mais on va si voir ça. Si tu ne respectes pas les caisses à savon volante ne te respecteront pas. Ouais, parce que là, il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de cigares. Mais attention, alors là, il taille son manche. Ouais. Et va-t-il décoller? Air Force One, attention. Allez, on a envoyé la pyrotechnie. Technique là. Départ dans 20 secondes, attention, mettez bien vos ceintures. PNC vos portes. Dans 15 minutes, la dame viendra pour vous donner du caramel et de la soupe. Allez. Il a mais aussi. Pourquoi ils n'arrivent pas à voler quand même? C'est des caisses à savon volantes qui le volent. Bah, si je le savais, Johan, Florian, je ne serais pas avec vous, je serais là-bas, je serais en train de battre le record du monde. C'est extraordinaire, Florian. Il y a toujours un truc. Mais c'est la beauté du sport, évidemment. L'important dans la vie, c'est d'accepter les échecs et d'avancer en dépit des échecs. Mais oui. Ce sont des Icares des temps modernes. Échec et mat cocagne. Mais ils tentent, hein, parce qu'ils sont en train de tenter, regarde ça. Et là, regarde, il a beau avoir accéléré son manche, et ça ne marchait pas. Eh non, trop de poids à l'avant, encore une fois. Il a fallu qu'il le mette un tout petit peu plus en arrière. Ça se joue vraiment à rien. Parce qu'il y a quand même des ingénieurs qui ont été mobilisés. Mais il y a des problèmes de calcul. Et cette pente, et la piste, elle n'est pas en pente. Hein. La piste, elle est toute droite. Mais on a flouque technique. On a souvent l'impression comme que lors des réunions de conception, il ne buvait pas que de l'eau. Donc ça a un petit peu nuit au calcul. Ça va à volo, mais en tout cas, quel bonheur. Alors là, on a le brief. Le briefing technique. Voilà. Ça, c'est très important. La technique de vol, voilà. Comment on fait? Comment on construit cet attilarage? Mais ils n'y croient pas. Ils sont pas contents. Le professeur, il ne fait pas, comment dire, l'unanimité parmi ces trois élèves. Ces trois élèves dissipés. Vous auriez été un prof comment, Florian? Vous auriez été un prof gentil? Vous auriez été un prof dur, exigeant? Vous auriez été quel prof? Vous auriez été Papa moi, Poule Moi, j'aurais été un prof plutôt absentéiste. Ah, c'est vrai, Florian. Ouais. Vous êtes sérieux, Florian? Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut pipi. Bah bravo, super, l'exemple pour la jeunesse. Oh. Et en bleu, je sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils font pipi bleu. Mais c'est naturel, Florian. Bleu, non. Qui n'a pas fait pipi à l'air? J'ai fait pipi bleu. Est-ce que les Schtroumpfs font pipi bleu? Ah, bah bien sûr. Moi, j'ai pipi rouge et noir, comme l'en avant de Guingamp. Allez, ça va être extraordinaire. Regardez-moi, c'est lancé extraordinaire. Oui, ça y est. Écoutez le briefing, mais en tout cas,
Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait écouté ce briefing? Vous avez vu, il est passé sur l'eau, il a redécollé, c'était magnifique. Et ça aurait pu continuer. Chaud, formidable. On veut un ralenti extraordinaire, comme quoi parfois il faut désobéir à l'autorité. Parfois il faut aller au-delà de ce qu'on vous dit. Et ne pas toujours écouter le professeur. Extraordinaire, franchement, grande prestation, comme quoi on peut y arriver. Et vous avez comme... vu, parce que beaucoup de légèreté, je vous le dis depuis le début. Florian, vous avez tout vu. C'était le cercle des poètes. Regarde-moi ça, génial, génial. Et là, pour la première fois, il n'y a pas une bête dans l'eau. Non, et regardez un petit peu comme le ricochet. Il a volé. Extraordinaire. Un exemple. Voilà un exemple pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent faire ça. Voilà, exactement, typiquement. Fantastique. Regardez-moi cette joie. La joie collective. Voilà. C'est la victoire et en Coupe du Monde. Et les élèves qui se retrouvent unis. Extraordinaire. C'est ça qui est important. De temps en temps, il faut des échanges entre le corps professoral et entre les élèves. Bien les profs n'ont pas toujours raison. Ils ont raison à 90% évidemment. Oui. Il ne faut pas engueuler le prof. Mais parfois, il faut avoir l'humilité d'écouter aussi parfois les élèves. Et là, on dirait un feu de Saint-Jean le 24 juin. Là, c'est magnifique. Oui, le 27 juin, le 24 juin. Et regardez la créature. On dirait celle de Une histoire sans fin. Vous vous souvenez de ce film dans les années 90? Never ending story. Na-na-na-na. Alors là, par... le Schtroumpf bleu. Par contre, là, je vous annonce, Johan, ça ira beaucoup moins loin que celui d'avant. Mais alors là, j'hypothèque mais ma maison, mes enfants, mon scooter, tout. J'adore le nounours. Ah oui, c'est une sorte de nounours, ça, où se forme de deux. J'aime cet accoutrement, j'aime tout. Ils vont peut-être faire 1m50, mais c'est pas grave, j'aurais adoré déjà leur déguisement et le décor. C'est beau. Allez, 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 jette-toi. C'est pour le spectacle. C'était annoncé. Il a fait une petite douche, il est heureux, il est content. Ils avaient tout misé sur la déco. Ils se sont dit, de toute façon, au point où on en est. Mais on déjà va faire quand un même très joli, qui sert à rien mais très joli. Quand ils s'inscrivent quand même, déjà prévoir comme des ailes, au moins un semblant d'ailes. Oui. Bah, pas faire d'excès de zèle, mais au moins un petit truc quand même qui fasse voler. Bah sinon faites les caisses à savon classiques. Exactement. Mais toutes les volantes, mettez des ailes. Et Florian, on a eu les organisateurs, il y a tellement aujourd'hui de succès pour les caisses à savon que bah il y a plus de, on peut plus s'inscrire. Non. Il y a des listes d'attente de 3000 candidats. Aujourd'hui c'est absolument incroyable et donc les gens se replient sur les caisses à savon volantes. Voilà. Et là, je suis encore, j'ai encore en tête l'avant-dernier équipage qui a été extraordinaire. Ah ouais, non, magnifique. Et comment le monsieur... Ah bah c'est un des plus beaux qu'on ait vu depuis qu'on commande sur la chaîne l'équipe. Depuis la création de ce sport en 1953. Alors, on a des petites... J'adore sa petite queue bleue. Des petites queues bleues. Oh, mais il est handicapé, il a mal quelque part à sa jambe. Oh, c'est triste. Il y a un monsieur avec un gros avion. Oh là, on voit des déambulateurs, on voit des chaises. Oh, il y a des... Et alors derrière, c'est un dragon volant sur une roue à aube. Et là, peut-être que c'est même la médaille d'or, en tout cas, de la machine. Franchement, c'est très, très beau. Ah bah c'est les créatures du film Avatar. Ah, c'est très, très bien Avatar. Construit. C'est Avatar, voilà. Avec les militaires qui viennent dans l'univers d'Avatar, avec toutes ces créatures qui ne sont pas contents de voir arriver ces militaires qui viennent les conquérir. Et là, il est très haut déjà. Ouais. Oh là là. Mais je pense qu'il peut... Il y a tout qui est réuni, quand même. Franchement, il y a la roue de la fortune, Michel Robe. Ça va être extraordinaire, regardez-moi ça, le dragon qui ça fume de bonheur. Moi je trouve que c'est très très bien construit en tout cas. C'est joli. Est-ce que ça va voler? C'est quand même le but premier, je ne sais pas. Et les roues lenticulaires, c'est un contre-la-montre ici, au lac de Bassivière. Miguel Indurain. Bon, j'y crois Florian. Allez, on y va messieurs. Allez, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un petit problème avec le starter? Allez. Allez, ça y est, ça va partir. 5, 4, 3, 2. Allez, c'est parti. 1, go! Ah ouais, j'y crois, Florian! Allez, 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 allez! Ah, dommage, les ailes ont pété! Les ailes ont pété! Oh là 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 là! Ah là là, je pensais que ça allait partir, je pensais qu'il allait réussir à faire un rase-moquette! Mieux vaut Avatar que jamais! Exactement! Mieux vaut retard que jamais, mais là, en tout cas, il y avait de l'idée, il a pas manqué grand-chose! Non, mais les ailes ont cassé, il y a une aile qui a cassé, donc du coup, c'est fini! Et là, on va peut-être avoir une perte de temps parce qu'il va falloir maintenant mettre proprement. Parce que c'est du polystyrène, c'était l'air du jeu léger pourtant! Oui, les ailes pètent, c'est dommage, hein, parce que sinon c'était pas mal. Ah, après, le polystyrène est quand même pas non plus le matériau le plus solide. Regarde-moi ça, Florian. Ah, c'est dommage, on a cravi, ça c'est vraiment. L'aile gauche a explosé en plein vol. Ouais. Il va falloir écouter la boîte noire, évidemment. Il va falloir repêcher la boîte noire. Pour la boîte noire, vous savez de quelle couleur est la boîte noire, évidemment. Orange. Elle est orange, ça qui est magnifique. C'est très important, les boîtes noires, le travail de recherche, évidemment. C'est quoi, c'est la BRI? Non, la BRA. Ceux qui recherchent la boîte noire, exactement. C'est la BRA. Pas de BRA. Film extraordinaire d'ailleurs avec récemment, non, avec Carnier, boîte noire, pas de BRA. Il faut que j'aille le voir d'ailleurs. Pas de BRA, pas de chocolat. Si on finit tôt ce soir, je vais aller le voir. Très bien, super film, je vous le conseille. C'est vrai, ce soir je vais y aller. Ah la bonsoir, poupée. Madame. Bonjour, on dit Heidi.
La bouche est bizarre. Ouais. Les dents sont bizarres. Le monsieur est bizarre. Le pilote est bizarre. Elle est très gonflée en tout cas de participer à ces caisses à savon volantes aujourd'hui. Et là, on prend un petit escabeau. C'est magnifique. Eh bien, je vais vous dire, Florian, je pense que ça peut aller au bout. Ça peut aller très très loin. Ça peut être le record. Regardez-moi, il y a une grande travail. Oh, non, monsieur, pas dans ce contexte. C'est même contexte pas contexte. On ne fait pas ça à une femme quand même. Ah, non, on ne peut non, pas non. les seins comme ça quand même. Là, regarde, il gonfle les seins. Ah, non, mais là, c'est hashtag. Non, là, carré noir. Hashtag balance ta caisse à savon. Éloignez les enfants de cet écran quand même. Lâchez l'équipe là quand même. Mais pas la main sur les gougoutes. Là, franchement. Non. On va laisser ça au montage ou pas? Franchement, on va flouter. Et là, qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a un cigare dans la bouche. Elle a un quand cigare même. Dans la bouche. Et le monsieur, il rigole, il est heureux. Mais ça le fait marrer. Le monsieur, quand même. Oh, un peu de respect pour la jeune féminine, quand même. Ça ne se fait pas. Bon, tout par ça. Contre, ceci dit, en termes de courtoisie, de bien sens, il a fait passer la dame devant. Ouais, mais justement, pour qu'elle se casse la gueule, la première, et c'est pas bon ça. Allez. Ouais. Deuxième position. Ah, ouais, peut-être même première. On va mesurer. Incroyable, ça va se jouer à rien. Finish. Ah ouais. Eh bien, dans l'éthique, ça n'allait pas. Voilà. Mais en tout cas, dans la performance, grande prestation. Ça veut dire quand même que quand on n'est pas galant, on peut être performant. Incroyable! Il a réussi son coup. Regardez-moi ça. Et là, avec son petit, il a joué avec son manche. Et ça a été pas mal du tout. Alors, il a joué avec son manche, le manche à balai. Le hein, manche à balai, évidemment. Oui, bien sûr, hein, comme le pilote. Ne voyez pas le mal partout. Je ne vois pas le mal, vous savez, mais je suis un bisounours. Je ne pense pas à mal, je ne pense pas au sexe, je ne pense pas aux femmes. Et regardez-moi cette poupée gonflable. Ah ouais. Et là, regardez, ça c'est très très fort. C'est Loana. Ça c'est très 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 fort. C'est Jean-Edouard derrière. Les ailes ont marché, les ailes ont été bien construites. Bah, bien conçues. Franchement, ça va être difficile de faire mieux, mais sait-on jamais. Ah, les dents. C'est King Kong. Il est sur les dents, King Kong. Il est énervé. Il a la banane. Et attention à Gori qui est énervé, ça peut aller très loin. Ah, c'est l'Empire State Building. Oh, il y a une prise en otage alors. Bah oui, comme dans King Kong, vous savez. Oh non, il l'amène en haut de l'Empire State Building, mais il est amoureux, King Kong, et puis les avions qui viennent essayer de l'abattre. Oh, c'est la tristesse. Ne tuez pas King Kong. Et là, ça va marcher, ça va être très loin, c'est sûr et certain. Donc là, c'est l'Empire State Building, hein, l'Empire. À New York. Vous êtes allé sur l'Empire State Building ou quoi? Oui. Ah, King Kong! Il est tombé! Il est tombé de la tour! Non! Oh, est-ce que c'est... Il boite, attention! Allez, on va le remonter, il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'il y a un remplaçant? Est-ce qu'il y a un King Kong? Un King Kong de remplacement? Et en plus, ce qui est plus grave, c'est que la voile, quand même, sur l'étalée. Bah, surtout, ils sont en train d'assembler les ailes au dernier moment. C'est quand même très mauvais signe. Ils ont pu faire ça avant, quand même. Hein. C'est très, très mauvais signe. Parfois, c'est dans la cabine téléphonique aussi. Parfois, on met un petit peu le son, l'image, 30 secondes avant aussi. Alors, et ça nous permet quand même de. C'est bien de temps en temps de faire tout au dernier moment. Allez, on fait coulisser les ailes dans la structure. Voilà. Là, t'imagines à l'aéroport un petit peu là, à Vienne, là, quand les messieurs à la douane ont dit qu'est-ce que vous avez? Eh ben, on va participer à un concours de caisse à savon volante et donc on a l'aile là, on a le moteur. C'est en kit, bah, ils ont dû aller chez Ikea. Hein, et c'est le kill tout double là maintenant. Allez, j'y crois à bloc. Ouais, ça va le faire. Allez. Ça va le faire. Tout est parfait. Ouais. Ah, trop de poids à l'arrière. Comment ça se fait? Je comprends pas l'aérodynamiquement. Pourquoi l'aile? Pourquoi le derrière? Je sais pas. C'est vraiment King Kong parce que c'était bien parti. C'est dommage. Ah, la perruque était belle. Tout était bien. Tout était bien. L'eau est à 14 degrés. On a appelé également. Attention, regardez, ça partait bien. Et voilà le poids à l'arrière de la queue. Ah ouais. C'était en bois aussi. Est-ce qu'un avion en bois peut aller loin? Hein, les deux ailes étaient parfaites. L'avant, le postérieur. Je pense que l'avant a été bien bossé. L'arrière, ils n'avaient plus le temps. Oui. Et Florian, déjà, qu'est-ce que. Quand on prend l'avion, il faut prendre plutôt vers l'arrière. Quand il y a un accident, je crois qu'il vaut mieux être à l'arrière. Alors, normalement, il vaut mieux être à l'arrière de l'avion. Exactement. Ah là là, le show, le spectacle. Ah, des pompiers magiques. Le feu est rouge. On passe au feu rouge. Il n'y a pas de 30 km/h ici, fire, évidemment, plus on va vite et mieux c'est. Cette foule est absolument incroyable, regardez-moi, c'est passionné. Aujourd'hui à Vienne. Il y a 43 500 spectateurs ici, sur ce plan d'eau, une foule considérable. Attention, au feu. Au feu les pompiers. Feuerlösch hier. Exactement, quel accent allemand formidable. Et les pompiers volants qui vont monter donc sur leur drôle de machine. Allez champion, il est debout. C'est ton heure, tu as été conçu par maman pour ce moment-là. Allez. Pour 7 minutes de gloire. Allez, on te regarde. On arrange la foule. Le peuple français te regarde. Allez. T'es notre héros. Et quand même, c'est une vie pour ça. C'est gonflé d'y aller debout quand même. Parce que quand, et regardez-moi, il est poussé par la foule. Ouais, cette hauteur quand même. Hein. C'est extraordinaire. Il ne va pas s'écrouler, c'est raide, c'est pas de nuire. Allez maintenant. Décollage. Allez, ça va être extraordinaire, l'angive, ouais. Non. Ah, il y a un trop lourd. Quelle déception. Ah, ouais. Il ne pensait pas faire aussi mal.
il pensait à mieux. Ouais, il a l'air. La caméra GoPro, au mieux qu'il la cache, là, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à montrer. Ah, bah, le film est court, c'est un court métrage. Hein. C'était un très court métrage. Le film va durer 2 secondes. Ah là 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 là. Trop lourd, trop lourd. C'était pas une ogive nucléaire, je peux vous dire. Le V de la victoire, c'est le D de la défaite plutôt. C'est retour vers le futur. Ah, j'adore. J'adore cette voiture. Nom de Zeus avec le Doc et Marty. Ah, j'adore. La DeLorean, elle est belle. Hein. Ah, les plus grands films de l'histoire, non, franchement. Ah, bah oui, les trilogies Retour vers le futur, Robert Zemeckis. Fantastique, fantastique. Et regardez-moi le savant fou. Allez, c'est l'heure maintenant. Après le film, ça va être dans le sport. Regardez-moi ça. Qui monte dans la DeLorean. Allez, 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 on fait vrombrir le moteur. Je ne parle pas allemand. Si, je parle allemand. Allemand, première langue. Mais là, regardez-moi ça. Et là, ils vont faire parler la poudre. Power of Love. Ah, c'est le Doc qui conduit la DeLorean. Ça va être extraordinaire. Le Doc a trouvé le bon médicament. Et où Marty? Marty va pousser la voiture. C'est Marty Simone. Ouais. Ouais. Allez, retour. Ouais. Ouais. Ne décevez pas vos spectateurs. Pas mal. Pas mal la DeLorean. Et pas de poids, le poids était mal réparti, le Doc a foiré là. Pourquoi le Doc était meilleur il y a 40 ans quand même? Bah, il y avait Doc, mais il n'y avait pas D-Fool. Et là, c'est terrible. Hein. Vous avez connu D-Fool, je crois d'ailleurs. Oui, et le Doc aussi. Mais Doc et D-Fool. Et Max, vous vous rappelez de Max? Oui, Max. Max. Oh là là, avec les soirées, Max, il m'a appris les soirées avec Robert Miles. Ah, c'est en train de couler la DeLorean. Et là, je pense qu'ils aimeraient bien revenir dans le passé pour ressauter et faire mieux, Johan. Mais ouais, c'est pas possible. Mais là, pas sérieux quand même, je trouve. Ça partait pas mal, elle était un petit peu lourde. Ouais, la DeLorean. Il y a un problème là quand même. Ils ont pas assez travaillé leur sujet, ils ont pas assez bossé. Allez, c'est pas grave, le prochain va aller très très loin, Florian. On s'amuse, vous êtes toujours sur la chaîne d'équipe, le canal 21 de la TNT. Et c'est de la TNT ce soir, c'est de la nitroglycérine. On va se régaler avec le prochain équipage qui va vous réserver des formidables surprises. Et ben on va voir ça, on va aller découvrir. Alors que le Doc rentre à la nage puisqu'il n'a plus de voiture. Bah, il est meilleur à la nage qu'en avion en tout cas. Et qu'est-ce que ça va au volant? Quel sport incroyable qui pourrait être aux Jeux Olympiques en 2032, peut-être. Oh peut-être. Ouais. On sera encore là. Ça se bat, encore. En tout cas, il y a tellement de sports en ce moment qui se battent pour être aux Jeux Olympiques. En tout cas, que de créativité, regardez, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est terrible. Ah là là, ah bah oui. Doit-on montrer les images, ça débat, hein. Ça va mieux, heureusement. Ça va mieux, ça, les infirmières sont intervenues. La piqûre a fait du bien. Allez. Et on va pouvoir monter dans cet hélicoptère. Et bien là, j'espère qu'il va se requinquer ou qu'elle va se requinquer dans les airs parfois. On retrouve de la respiration. Ouais, mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr que le rotor fonctionne, donc du coup, il n'y a pas d'aile. Donc, non. Du coup, par conséquent, rotor, Johan, c'est vrai. Oh, je préfère le rotor que les personnes retorsent. Ça va le faire. Regardez si ça marche. Le rotor qui marche. Michel Drucker a. Allez, mais il n'y a pas beaucoup de vent. C'est ça le problème aujourd'hui à Vienne. Il n'y a pas énormément de vent. Mais ça peut aller loin. Ça peut faire 15 mètres. 15 mètres? J'y crois. Oh, j'en enlèverais bien 14, moi. J'y crois, Florian. Ah, ah bah, oui. Voilà. Comme quoi, il y a que moi qui ai cru. Ah, oui. Tout s'est déchiqueté. Même lui, il n'y croyait pas. Quand il vous a entendu, non, non. Regardez-moi ça. Il y en a partout sur la piste. Ah, il y en a partout. Il va falloir attendre une heure maintenant avant le prochain équipage. Mais c'est bien. Il a fait le voyage. Il s'est amusé. Il a vécu un bon moment. Voilà, et surtout, il était malade avant de partir. Il a pris un bain gratuit. Et les infirmières qui sont là en salle de garde. Et ça rigole. En tout cas, l'importance, comme vous dites, l'importance donc d'avoir de belles ailes. Attention à consolider son arrière, donc avoir des arrières quand même bien équilibrées au niveau du poids et une machine relativement légère pour c'est prendre bien le polystyrène, mais attention, il ne faut pas que du polystyrène. Et là, à la fin, ouais, il s'est un petit peu bloqué à la fin du tarmac et au lieu de monter, il est descendu, oui, donc ça ne va pas du tout. Il n'y a pas d'aile, donc quand voulez-vous que, ça vole? On voit beaucoup la lettre L ici, mais il faut d'autres lettres, hein, l'alphabet c'est 26 lettres. Ah, les tyroliens! Le yodel! Et Gilles! Ah, j'adore! Charlie Oleg! Ouais, l'Autriche! Ils ne trichent pas, les Autrichiens, en tout cas, quand c'est de la fête! Ah, j'adore ça! Le tyran, l'Autrichien! Allez, allez, allez! Ta, 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 elle est jolie, hein. C'est magnifique, on en voit déjà en Alsace, là, pas loin de Strasbourg, c'est la saison. Ouais, faut pas cette taille-là, mais on en voit. Allez, allez,
Allez, on l'encourage comme un triple sauteur, comme un sauteur en longueur. Allez, on c'est maintenant. La foule. C'est maintenant, c'est pas demain, c'était pas hier, le c'est maintenant. Le petit supplément d'âme, le petit supplément d'aile pour aller le plus loin possible. Regardez, il y a beaucoup de fils. Il a un boîtier électrique là. Le fil vert sur le bouton. Le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu. Ça m'a l'air artisanal, mais on ne sait jamais. Il y a beaucoup trop de fils, je pense. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Faut pas qu'il se trompe. Faut pas qu'il se trompe de bouton ni de fil. Allez, c'est parti pour. Allez, les ailes du désir, Wim van der Staal. Un plat, mais au moins c'est pas cassé, il pourra le réutiliser. Ouais, mais c'était un fil à la patte là, son truc là, trop de fil, il a perdu le fil. J'ai pas compris à quoi il servait ces fils d'ailleurs. Oh là 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 là, de fil en aiguille, bah il pensait bien faire, et mais c'est pas grave, regardez-moi ça, c'est un perdant qui vit au public de l'encourager encore et toujours. Cigogne, mais pas si bête, hein, Johan, moins que ça. Ça fait un quart d'heure que je cherchais un jeu de mots avec Cigogne, effectivement, j'ai cherché le Skid Full 6. Cigogne, si décevant finalement. Ah oui, si décevant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le bec? Une saucisse. Ah, une saucisse. Une saucisse de Strasbourg, évidemment. Une fraise. Oh, une fraise, une poire, une pomme, une banane. On est fraises heureux en tout cas de vous présenter. De ramener notre fraise. Ce formidable programme. Il y a quoi? Il y a une poire aussi? Ah bah là, on a les 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est une poire. Ouais. Extraordinaire. Ça, de la manger des pommes. Joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. C'est quel chanteur ça? Bourville. Ah oui. Ça, de la de fruits. Joli, joli, joli. J'adore. Un jour ou l'autre, il faudra bien que nous. Alors. Allez, là c'est en tout cas c'est une embarcation très saine. Oui, puisque y a beaucoup ailes. De fruits et légumes. Oui. Et là on a l'impression que c'est un bol, non, un bol de fruits peut-être. Pourquoi c'est un bol? Parce que peut-être qu'ils vont finir en compote. Ah, j'adore la compote. On compote pas en tout cas. Sans grumeaux. Alors la banane est en train de s'installer, mais ça m'a l'air de briques et de broc. La banane, il y a le tirage au sort. Regardez-moi ça, ça tient même pas là. Mais comment c'est possible ça? J'ai l'impression que ça, j'ai peur que ça tombe. Ah, c'est en équilibre. J'ai l'impression que ça tombe. Il va falloir que ça parte bien droit ça, sinon. Ouais. Oh là là, flying, je sais pas. Hein. Attention, oh je crains le pire, j'ai envie d'avoir tort, j'ai envie qu'il me démente ça. Oh là 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 là, déjà on a du mal à se mettre dedans, on a du mal à. Il y a les encouragements du public extraordinaires. Alors ils ont fait un tirage au sort parmi tous ces fruits et pas de peau pour la banane, c'est elle qui a été tirée au sort. Hein. Oh là 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 là. Framboise, poire, citron. Non. Ah, on est sur du multifruit. Hein. Allez, j'espère qu'ils n'auront pas le capricium évidemment. Allez, c'est allez, l'heure. Allez, une salade de fruits. Ouais. À mon avis, on peut avoir qu'une bonne surprise. Parce que si ça foire, ça sera normal. Ouais, c'est pas mal. Mais ça finit comme souvent en banane écrasée. Ah. Elle est dans un bol. J'aime pas les bananes écrasées. Je préfère les bananes comme ça dures là. Ah ouais. Titre. Regardez-moi ça. Oh là là, et puis là, par contre, il a fait un piqué du nez là. Regardez vrai, la banane. Il est parti au ralenti. Regardez, lui. Ah. Oh là là, c'est violent ça. Bon bah le fruit de leurs efforts n'a pas été récompensé, Yohan. Ouais, le verre était dans le fruit depuis le départ, j'ai l'impression. Hein. Ça a été long à se mettre en route, ça a été long à allumer la machine. Eh bien moi je préfère manger des kebabs finalement parce qu'on voit bien que les fruits et légumes ça ne marche pas toujours. Là c'est très beau. C'est beau, hein, c'est de la ferraille. C'est un 14 juillet. Eh regardez ça, ça c'est pas mal. On a une aile assez légère, une queue peut-être un peu lourde, ça risque de basculer en arrière, à mon avis. J'ai pas fait d'études d'ingénieur, mais on va voir en tout cas. En tout cas, une très belle construction pour porter au pinacle, au sommet. On va pas vendre la peau de la caisse à savon volante avant de l'avoir vu décoller. Les ballons de baudruche, évidemment, allez, c'est pour fêter le succès. Allez, ouais, alors. Ah, ça pique. Il y avait trop de poids, manque d'équilibre. Ah, et ça se retourne complètement. Mais non. Oh, ah, même les ballons sont pas allés loin non plus. On est déçu. On pensait que ça ferait un peu mieux que ça quand même. Pour l'instant, on a eu quoi? On a eu trois magnifiques performances. Ah ouais. Notamment deux extraordinaires. Ah ouais, là, quand il a plané, là, tu te rends compte, il a même il a surfé avec ouais, son torse. Il a décollé. C'était magnifique. Eh oui, non, mais là, non. Pourtant, ils ont fait des essais plusieurs fois. Mais on a beau faire des essais, on a beau se battre dans la vie. Ah, mais là, ça se joue au gramme près. Hein. Et c'est, pourtant, ils ont essayé ça et ça a marché. Pourtant, quand ces 40 candidats, quand ils étaient chez eux, ça marchait. Et là, c'est la pression, c'est le stress, c'est la Coupe du Monde. Dès que ça s'en va voler. Mais c'est comme les jeux, c'est beaucoup plus facile quand on est devant sa télé. Mais attends, pas la pression. Exemple, je vais être turbon dans mon lit et. Voilà. Et puis bon, j'ai jamais. Moi, j'ai des chiffres et des lettres chez moi, je trouve des mots de 4 lettres. Mais je serais en vrai, ce serait 2 quoi. Ah, c'est terrible en vrai. C'est ça, souvent en vrai, c'est plus compliqué qu'en faux. Ah, une petite Iroquoise en moumoute, formidable. Hiroki Kokoakonok.
et une canette géante. Alors audacieux comme conception. Normalement c'est pétillant. Ouais, ils lui disent aller tout droit. Oui, forcément. Vaut mieux. Il a fait une cure de boisson énergisante. Regardez-moi le vent derrière. Le vent s'est levé. Et ça c'est très très bon signe. C'est vrai, favorable. C'est possible dans le dos. Oui, c'est dans le dos. S'il est de face, ça va pas. Et aller. Là, regardez-moi ces platanes derrière. Là, c'est peuplé. En tout cas, c'est un équipage peuplé de bonnes intentions. Allez, attention. Allez, c'est un travail à la chaîne. Allez, 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 les ailes sont magnifiques. Ah ouais. Là, si ça fait pas 20 mètres, franchement, quand même, je démissionne de la chaîne d'équipe. Ils auront les Red Bull. Hein. Allez, 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 regardez-moi ça, on va tous s'envoler, c'est l'heure maintenant. Regardez ce sourire angélique. C'est parti. Allez, Florian, pour les ailes. Canette géante. Les ailes sont prêtes à s'envoler, à se déployer. Le travail a été fait en amont, c'est magnifique. Ouais, ouais. Ah. Oh, yaya, oh, la déception est terrible. Ah oui, oui, bah, il se contente de peu, bah, il est content, mais non, non, c'est un échec total. Pourtant, c'est parti complètement en arrière. Il y a eu ça n'a pas piqué du nez, ça a piqué de la queue là. Ah là 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 là, les vases communicants, mais là il s'est envasé là. Ah ouais. Il n'a pas réussi son coup. Il a, c'est une erreur humaine, je pense, là quand même, hein, parce qu'il n'a pas réussi à rester droit. Erreur de pilotage, manifeste. Regarde-moi ça, on va regarder le ralenti. La tablette à Philippe Doucet. Ah oui, il a été. Ouais, il a pas. Il aurait dû se plonger en avant. Il aurait dû aller plus en avant. Oh, Johan, ce serait pas un Kinder Surprise. J'adore le Kinder avec Surprise. Avec un gros joujou à l'intérieur. Ah, j'ai envie d'en prendre. Le cartable, le Tato Tans. Tu te rappelles le Tato Tans? Bien sûr. Ah, le Tato Tans. Tato Tans. Ah, j'adore ça. J'adore ça, Wiener. Wiener, ça veut dire que je suis un Viennois, non? Je crois. Oui, Viennois. J'espère que ce Kinder va nous réserver une belle surprise, en tout cas. Qui dit Wiener, dit Wiener. Wiener Schnitzel, l'escalope viennoise. Ça va le faire, regardez-moi ça, ce spectacle, ce grand spectacle. Nous on parle souvent de l'escalope milanaise, mais il y a l'escalope viennoise aussi. C'est quoi la différence alors, l'escalope viennoise? J'ai jamais trop compris en fait. Oui. C'est là où il y a du foie gras. C'est du veau pané. Hein. Ah, du veau pané. Eh oui. Eh bien, en tout cas, on voit la tour là à Vienne, le Kinder Surprise. Et souvent, il y a des bonnes surprises dans les Kinder. Regardez-moi ça. À l'intérieur. Ouais, ouais. Ah, ah, un petit poussin! Avec des petits ballons. Le petit poussin. Un poussin aviateur. Oh, c'est touchant. Ils vont déployer ses ailes, j'imagine. Non, mais là, franchement, là, c'est extraordinaire, normalement. Non, là, ils ont vraiment bien calculé leur coup. Il y a les ailes, sont là. Le bon matériau. C'est passé à la douane, normalement. Il y a tout pour. Allez, normalement. Et puis, on aime tous le chocolat. Bien sûr. Allez, c'est l'heure, Florian. On va assister à un grand moment de l'histoire du sport. On va déployer les ailes, j'espère quand même, parce que s'ils y vont comme ça, ça ne va pas fonctionner. Ça va le faire. Voilà, on déploie les ailes. C'est un très grand moment de l'histoire de l'humanité. Oh oui. Il y a eu Martin Fourcade sur la chaîne équipe qui a fait des exploits extraordinaires contre Beu. Johannes Beu. Mais là maintenant, c'est cet équipage. C'est un équipage qui vient, je crois, du Zimbabwe. Ils ont fait le voyage du Zimbabwe. Ah bon, si vous le dites. En tout cas, il a gardé son cartable dans le dos. Et là, jusqu'ici, le Zimbabwe, on connaissait Bruce Grobler, le formidable gardien de Liverpool. Mais là, c'est le nouveau héros du peuple zimbabwéen. Les applaudissements du public nombreux aujourd'hui à Vienne, en Autriche. Ça y est, les roues me font un peu peur. Les roues, là, un peu. Ouais, et puis il est pas droit. Les roues. Et puis surtout, regardez, il tient bizarrement sur cet appareil. Est-ce qu'il va pouvoir s'envoler? Est-ce qu'il va pouvoir prendre assez de gaz? Ça va dépendre de la poussée. Il va falloir pousser fort et vite. Allez, allez, mon petit. C'est maintenant. Allez, c'est là que ça. Le mec est venu du Zimbabwe, quand même. Pour ça. Extraordinaire. Ah, y a la roue qui pète. Je vous l'avais dit, je connais la technique maintenant. La roue arrière droite, mais vérifier le matériel quand même avant de prendre l'avion au bout du monde. On est quand même devenu avec les caisses à savon des spécialistes des roues. C'est un truc de dingue. On est routologue. On découvre ce champion. Routologue. C'est dommage. Moi, je suis un routologue. Regardez, là, il met le ballon à l'eau quand même, peut-être pas venu pour rien. Il est heureux. Oui, parce que l'important, c'est qu'il a pris l'avion. Et qu'il est venu, et que la foule l'a acclamé. Ça a été le héros de quelques minutes. Il a failli tomber là, mais là, il va faire du surf, regardez-moi. Il est prêt à faire du surf. Allez, pouf, un petit plongeon, voilà. Dans le beau Danube bleu. Et oui, parce que c'est tellement compliqué que parfois même on n'arrive même pas à aller au bout du tarmac, on n'arrive même pas à aller au bout de la piste. Ouais, non, on n'arrive même pas à aller au bout de l'élan, on n'arrive même pas à aller au bout de la vie. Elle fait 10 mètres, hein, cette piste, elle peut paraître interminable. Tu rends compte tout ce qu'il faut gérer, il faut gérer les roues, il faut gérer les ailes, il faut gérer le moteur, il faut gérer la manche, il faut gérer le gouvernail, il faut gérer l'humain, il faut gérer le vent. Et après, il faut digérer son échec. Alors, des nouveaux concurrents. Allez, 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 faites-nous rêver maintenant. Regardez-moi ça, c'est aérodynamique, le profil aérodynamique d'avoir en sa faveur. Dommage. Pourtant, il avait été prêt à partir dans l'espace. Ouais, ça manquait un petit peu de vitesse pour le cosmonaute.
Mais la combinaison est magnifique en tout cas. La combinaison est très belle. Ah, on dirait Thomas Pesquet. Et Thomas Pesquet, lui, il a décollé. Il a réussi. Ah ouais, et là, regardez, il était prêt à éclater le ciel, à voler à travers Mars et Jupiter. Peut-être un peu trop de poids avant. Houston, we have a problem. Quel film extraordinaire. Apollo 13. Oh là, j'avais longtemps le poster dans ma chambre d'étudiant. J'adorais ce film. Avec Tom Hanks. Oh, extraordinaire. Et là, regardez-moi. Et puis, la famille qui attend à la maison, sa femme formidable, les enfants, les grands-parents qui sont là pour se tenir tout le monde. Oh, un corps de chasse. Ah. Les lévriers qui s'en vont dans la forêt, dans les bois. C'est la chasse à court. Mais on court non pas après un cerf ou un daim, on court après un record. On court après une victoire, Johan. Allez, allez maintenant. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Vous avez vu, hein, il y a pas de pub ou pas, il n'y a pas de publicité. Restez avec nous, ça va être formidable, ça va être un grand moment. Voilà, ces concurrents qui sont encore, et comme disait Cabrel, et ça continue encore. C'est un instrument avant en plus. Oh ouais, pas mal, pas mal. 7-8 mètres. Et ça continue encore, et encore, c'est que le début. D'accord. Encore. Quelque chose vient de tomber dans la flotte à Vienne. Francis Cabrel. Ah, Francis. Cabrel du pêcheur. Et là, il a tenté avec ses tresses. Avec ses dreadlocks. Belle caisse à starting, dans les starting dreadlocks. Ah là 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 là, normalement quand même. Ouais, c'est, finalement, c'est, vous aviez raison. Finalement. Il ne faut pas. Il faut avoir de la mansuétude. Il faut avoir de la générosité dans les votes aussi. C'est pas mal. Comme moi, franchement. Oui, oui. Puis, allez, c'est quoi, un petit 5,5 sur 10. Oui, et puis il se rappelait quand même qu'ils y passent des heures, hein, et des week-ends pour quelques secondes de bonheur à Vienne sur la chaîne L'Équipe. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour passer sur la chaîne L'Équipe ? On voyage sur la chaîne L'Équipe. Et bien sûr. On a fait les caisses à savon en Irlande. On a fait les caisses à savon en San Francisco. Oui, on en a fait au Chili. On est allé par toi. Ah, le petit gâteau. Ah, voilà, crème chantilly. Ah, c'est les derniers du jour, Johan. C'est le dessert. Non. C'est le dessert. Mais moi, je veux le Dijon après. Hein. Ah, bah, allez, on reste pour le Dijon, évidemment. Et le livre d'or. Ah, on va vous faire un petit, comment dire, le best-of des caisses à savon volantes. Hein. Allez, pas L'Équipe du soir ce soir. Vous restez avec nous. Ouais, on est là, on est bien. On est bien. On a sorti la chantilly sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, ce dernier passage. Allez, que ça sauce. Là, ça s'appelle, regardez la musique autrichienne, regardez. Écoutez ça. C'est l'anniversaire. Et de la crème chantilly. L'anniversaire de la création de ce programme. Mais là, le problème, Johan, il faut que ce soit une île volante, pas une île flottante. Hein. Ah oui. Eh oui. Là, maintenant, il va falloir vraiment s'envoler. Il va falloir longer. Bon, au pire, cet étang. Au pire des cas, on les présentera à Marie Portolano et à Mercotte pour le meilleur pâtissier. Ah, hein, si jamais ça passe pas bien là. C'est bon, extraordinaire. Voilà. Allez, 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 allez. Ah, le jacuzzi. Oh, le jacuzzi. Oh, il est heureux. Il est bien. Oh, ses cuisses. Les gambettes à l'air. Allez, allez, le gâteau. Est-ce que le gâteau va aller loin? Il a déjà du mal à avancer. Alors ça, c'est un gâteau gourmand volant. On est dans le gourmand volant. Oh, ouais, mais regarde-moi, non. Aïe, aïe, aïe. Oh, le cake. Oh là 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 là, une tranche de cake là. Ah là là là. Copilote, et ben je sais pas où est le pilote, mais c'est pas grave, encore une fois, on s'est amusé. Ça a duré un éclair. Rigolé. Ça a duré un éclair, un éclair pour de... Ouais, pas de génie. Un éclair de. Ouais, pas de génie du tout. Pas de génie, justement. Ah non, pas du tout. Un éclair au chocolat. Là, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y avait un petit peu? Il y avait des petits jeux, il y avait des pièces montées. Tu sais, comme un McDonald's, il y a des petits, il y a des trucs, il y a des comme ça, il y a des, ça, on peut jouer là avec des enfants et tout, avec des boules et tout à l'intérieur. Vous savez qu'à votre âge, on ne peut pas aller jouer avec les enfants au McDonald's. Ah, c'est interdit. J'adore le McDo, j'adore ces jeux au McDonald's. Et là, regardez-moi, il est tombé à la renverse, ouais, il a pas maîtrisé sa chute. Ah, c'était un menu pas vraiment Happy Meal, hein, là, parce que ils doivent être déçus quand même. C'est McRado là. Après, ils avaient oublié un petit truc, c'était les ailes, hein, le petit détail. Eh bien Florian, on s'est encore amusé. C'était beau aujourd'hui à Vienne. On a passé un très 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 beau moment avec ces valeureux candidats parce qu'ils sont là, ils sont déjà vainqueurs. C'est le troisième, c'est le podium, la médaille de bronze, c'était eux. Le pingouin volant, ouais, pas mal, qui a explosé à l'arrivée. Bah, j'ai hâte de ce qui voir est audacieux parce que les pingouins ne volent pas, mais eux ils ont tenté d'aller contre la nature. Très beau ce pingouin, Florian. J'ai hâte de voir le deuxième Florian. Alors les deuxièmes. On a eu vraiment des mouvements spectaculaires. On a eu des équipages formidablement courageux, valeureux, déterminés. Regardez ce casque. C'est le trophée, les deuxièmes. Oh, c'est magnifique ce beau casque en or ou en bronze. Oui, je sais pas en bronze, en laiton. Back to the future. Retour vers le futur. Ah, voilà. L'émotion du c'est monsieur. C'est le doc, hein, sans sa perruque. La DeLorean, très jolie, était très bien faite. Ah. Et assez efficace au final. The Power of Love.
Regardez-moi ces émotions. It is the power of love. C'est magnifique en tout cas. Non, on de Zeus. Mais il y a l'argent. Deuxième. Et les premiers, là. les premiers, à mon avis, ça va être l'aile volante qu'on a eu tout à l'heure qui a plané sur le Danube. Ah mais c'est eux les premiers, Johan, me dit-on, parce que la note artistique les avait passés premiers. Ah c'est très important, c'est important. Merci en tout cas d'avoir été avec merci nous avec sur la chaîne vous, l'équipe Florian, pour les ça roulante. À très vite sur la chaîne l'équipe. Salut Johan. À très vite. Salut Florian.